le tribunal, statuant publiquement contradictoirement à l'égard de l'ancien Traoré, Ousmane Damaro Kamara, l'ancien Thomas Traoré, Mori Kanté, Bangali Doumbouya, par défaut à l'égard de Mori Traoré, Mamadi Sissé, Ibrahima Diané, Moussa Dassoko, Karamoko Sissé, l'ancien Kondé, Souli Konaté, Omar Kondé, Nankouma Konaté, Kaba Keita, Mohamed Sano, Amara Kaba, Sekou Kamara, Moussa Keita alias Blacky, en matière correctionnelle et en premier ressort. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, déclare les nommés Lancinet Traoré, Ousmane Damaro Kamara, Lancinet Oma Traoré, Mori Kanté, Mori Traoré, Mamadi Sissé, Ibrahima Diané, Moussa Dansoko, Karamo Sissé, Lancé Kondé, Soli Konaté, Omar Konté, Omar Kondé, Nankouma Konaté, Kaba Keita, Mohamed Sano, Amara Kaba, Sekou Kamara, Moussa Keita alias Blacky, coupable et convaincu des faits de vol, coups de blessure volontaire, complicité et recel à un reproché. Déclare en outre Bangali Doumbouya non coupable des faits de complicité de vol à lui reproché. Il le renvoie des faits de la poursuite pour délit non constitué à son égard. Ordonne sa mise en liberté immédiate s'il est détenu pour autre cause. Pour la répression, condamne l'ancien Traoré. Condamne l'ancien Traoré à 10 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Ousmane Damaro Kamara, Mori Kanté, l'ancien Omar Traoré à 2 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens chacun. Mori Traoré, Mamadi Sissé, Ibrahima Diané, Moussa Dansoko, Karamo Sissé, l'ancien Kondé, Souli Konaté, Omar Kondé, Kaba Keita, Mohamed Sano, Amara Kaba, Sekou Kamara et Moussa Keita alias Blacky à 10 ans d'emprisonnement par défaut. Décerne mandat d'arrêt contre eux à l'audience. Ordonne la restitution de 8 bidons contenant du carburant à la Société Électricité de Guinée de Cancale. Ordonne la confiscation de la voiture Nissan Primera couleur noire immatriculée RC 7481 AK au profit du trésor public. Rejette les autres prétentions comme non fondées, mais les dépend à la charge des condamnés. Le tout en application des dispositions des articles 373, 374, 239, 19, 485, 64 du Code pénal, 535, 564, 208, 213, 544, 548, alinéa 1 du Code de procédure pénale. C'est ça la décision du tribunal.